Bon, je m'appelle Roud, au fait, parce que vous avez chopé le concert en cours de route. Donc, je suis un artiste rémois, purement local, vient de chez nous, plein de bulles dans la tête. Trop de bulles dans la tête. Donc, je suis là pour me peler joyeusement les fesses avec vous et tous ceux qui sont capables de s'arrêter. Donc, c'est vachement bien ce que vous avez fait, mais rentrez, parce que sinon, il va finir sur le jeu. Mais merci de vous être arrêté, c'est cool. Avec plaisir. Donc, merci. On va faire une autre. On va en faire une autre sympatoche. Allez, une petite impro sur Noël. Ça va? Ça va, mon trois public d'amour? T'as bien là avec moi? Cueille les fesses. Finalement, j'ai même un poil plus chaud que vous. Finalement, je me bouge quand même. Faut venir danser devant moi, sinon. Faites des sauts périlleux. C'est la roue. C'est parti. C'est parti, ouais. Bon, c'était des balances concerts. Puis après, ce sera des concerts balances. Ouais. Les balances ne s'arrêtent jamais, c'est comme l'école. Faut toujours apprendre dans sa vie. Donc à toi, monsieur qui vient de me sauver les doigts, merci pour ce cher, cette dose de calories. Merci. Après, si vous voulez me réchauffer les doigts, vous pouvez venir passer mettre des coups de briquet sur les mains de temps en temps. Ça va, j'ai suffisamment froid pour que ça marche. Si vous voulez des bouillottes, des gants. J'accepte tout, vous en faites pas. Je demande même pas de sous pour les albums. D'ailleurs, je n'ai même pas d'album. Pas encore. Dans un mois, j'aurai un album. Mais c'est un album où je fais que parler, parce que souvent je viens avec la guitare et je parle aux gens dans la rue qui croient que je vais jouer, mais en fait je ne joue pas. Quand je déconne, je ne joue pas. Non mais je joue pas parce que j'ai un café. Il n'y a pas de corps. Il y a tout à fait. Guitare invisible. Et pourtant. Allez, petite chanson sur Papa Noël qu'on a dit. Une impro, pardon. Parce qu'elle n'existe pas encore celle-là. Parce que je suis un enfoiré. J'en fais des cadeaux quand j'en ai envie. Et surtout quand ils en ont besoin, tu sais. Offrez-vous déjà du bon temps avec ceux que vous aimez.
ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez partager. Thank you very much. Ok, chanson de l'instant, elle n'existait pas non plus celle-là. Maintenant je vais en faire une que j'ai composée. Et ça va être vachement cool. Parce qu'il n'y aura plus de public. Un petit choix, je vais faire ma première chanson, la première chanson que j'ai composée. Non, la première chanson que j'ai composée et que j'ai validée. Pardon. Ça s'appelle Je souris. Qui me fout le cafard, la nuit commence à tomber, il se fait tard. Je marche, je titube, je rentre dans le brouillard. Je n'ai pas la moindre idée de là où je vais, mais au final, c'est quoi, je m'en fous. Je suis pas pressé. Pour continuer d'avancer ainsi, eh bien moi, je souris. Ouais, je souris. Et si c'est pas une de mes chansons, c'est une impro. C'est une chanson à devenir. D'ailleurs, si on a des thèmes... Ouais, éventuellement, si vous avez des thèmes, des envies particulières, vous pouvez. Je les traiterai à ma convenance. Il n'aime rien. Ah, ça peut être le thème, hein. Qu'est-ce qu'il aime, mon fils? Il n'aime rien.
On n'a pas de thème finalement. Bon, bah, je pars sur une chanson alors. Une vraie. Ça s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur les gens bourrés en soirée que j'adore et que j'aime. Donc, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et son problème, c'est son sinistre secret. Ce n'est pas un vampire ou encore un garou. C'est un secret fréquent des mots de notre temps. Comme pas mal de gens qui s'alcoolisent hors limite. Avec le docteur réveille les démons qui habitent. C'est docteur Jekyll et Mr. Hyde. L'un débarque quand l'autre finit sous la table. C'est docteur Jekyll et Mr. Hyde. Famille d'une éprouvette, mais plutôt d'un plan bien sec. C'est docteur normal et Mr. Comptoir. L'un mis le jour, l'autre se terre dans les pas. Et quand docteur normal sale mal est à nord, c'est Mr. Comptoir qui vient prendre le contrôle. C'est docteur Jekyll, Mr. Hyde. Sortir des bas-fonds, pas juste promener en sortie de bâtard, pour pouvoir croiser de sympathiques cauchemars qui crachent leur rage au hasard. Oh, l'homme des cavernes, de retour au 20e siècle, des fermentations, du distillat de Hyde sans modération. L'un débarque quand l'autre finit sous la table. Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Pas né d'une éprouvette, mais plutôt d'un blanc bien sec. Docteur normal et Mr. Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se perd dans les bars. Et quand docteur normal sale mal est à nord, c'est Mr. Comptoir qui vient prendre le contrôle. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. C'est Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Pour tout ce qui passe et repasse, je vais le dire 15 fois comme ça. C'est Roud, un artiste local, rémois, vient de chez nous. J'étais parti, je suis revenu. Finalement, j'aime bien cette ville. Hop alors. Allons-y maintenant. Est-ce que vous aimez les photos d'identité? Ben moi, j'aime pas, parce que j'aime pas la tête que je tire dessus en général. Et donc, j'ai fait une photo, une chanson justement sur les photos d'identité, parce que je n'aime pas du tout ça. Ça s'appelle Photo Maintenant. Annoncé qu'il fallait faire des photos d'identité.
moi je me souviens de ce regard noir, tout droit sorti de mes cauchemars, quand t'as tendu la main pour avoir de la monnaie. Et moi j'ai dit, tu sais, c'est pas si grave que ça, on est tous passés par là. Et direction le photomaton, comme les clichés de la police, quand ils sortent un repris de justice, en avant pour le tolaroïde, qui fait que sur papier ou CV, eh bien, tu déprimes, prime, 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 prime. Tu déprimes, prime, 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 prime. Direction le photomaton. Il était 5h30 passées, j'étais en train de me promener pour oublier ce gosse que je venais de traumatiser. Puis le plat qui sort de nulle part, qui se met crier sans crier gars, et qui se met subitement à sangloter. Regarde, regarde, sur sa grande, sa portrait tirée, oh mais y'en a même pas un où je le reconnais. Et direction le photomaton, qui te fait bien plus marrer qu'une blague, quand tu montes ça aux camarades, en avant pour le tolaroïde. Un bien triste cliché, censé t'identifier. Ma carte d'identité, mais tu verras tous les deux, on va bien rigoler. Et direction le photomaton, la seule machine à ses bidons qui te sort toujours une tête de. On est chaud pour le tolaroïde, sur papier ou CV. Oh, 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 tu déprimes, prime, 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 prime. Tu es prime, 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 prime. Qui chante en scred, ils veulent pas trop se faire voir de l'artiste, mais j'ai vu que je suis. Merci beaucoup. Ça va, franchement, je trouve que ça s'est adouci. Je sais pas si depuis tout à l'heure c'est moi qui me réchauffe ou. Non, je suis pas fou. Ils me disent tout ça va, j'ai l'impression de récupérer mes doigts, mes mains redeviennent roses. Oui. Dinguerie. Ça va, mon loulou? Elle veut faire un peu tout. Non, pas vous. Non, pas toi. Vous n'êtes pas tous, mais vous. Il y a que lui qui s'entend. Vous êtes tous mes doudous si vous voulez. Mais bon, ça fait beaucoup de familiarité avec beaucoup de gens quand même. Je ne peux pas avoir 8 milliards de doudous. Ça fait beaucoup trop pour un seul homme. Faire une chanson sur 8 milliards de doudous. On va faire une chanson qui s'appelle 8 milliards de doudous. Ça fait beaucoup. Milliards de doudous, ça fait vraiment beaucoup. De gens à aimer, je suis sûr d'avoir autant à donner. 8 milliards de doudous, c'est même bien plus qu'assez. J'ai pas tant de temps, pas tant d'amour. Même si je prenais une journée pour chacun d'entre vous, j'aurais pas tant de temps. Je sais même pas, faudrait que je fasse des comptes de combien pour pouvoir dire bonjour à ces 8 milliards de doudous, c'est beaucoup trop. Comme moi, c'est beaucoup trop, mais beaucoup trop. Je
moi beaucoup trop doux et tu sais beaucoup trop d'humains à aimer. Mais c'est pas grave, y'a des guerres qui se préparent. Bientôt y aura peut-être beaucoup moins d'humains que ça à kiffer. 7 milliards de doudous, qui sait l'année prochaine. Et peut-être qu'on sera plus que 5 dans 10 ans. Et puis, dans 20 ans, y en aurait peut-être plus qu'un. Et plus 500 millions, plus 600 quand elle est, ouais, qui sait. Pas, t'en fais pas, je te quand même, tu sais. La chanson 8 milliards de doudous. Je sais pas, faut test. L'alimentation durable. Oui, bah ça m'inspire plus dans les faits, là, sur ce que je veux faire, mais dans les faits. Ok. C'est cool. Ah non, c'est gentil, moi j'aime bien. Thank you.
C'est cool, vous m'aurez chauffé l'ambiance, c'est bien. Continue, je crois qu'il y a déjà 2 degrés de plus dans la rue au moins. Si, je le sens, sur les doigts. Bon, allez, bonne journée à vous. Merci. La prochaine chanson s'appelle Bien trop de choix, qu'il y a bien trop de choix dans les supermarchés et que ça me casse les couilles. Moi, des fois, je veux juste une mode de beurre, pas une expo contemporaine de beurre où il y a 12 000 beurres différents avec sans sel, ni sel, moins sel, moins de gras, plus de gras, moins de beurre, du beurre ultra léger, rien à l'aérogel. Enfin, bon, bref. Cette chanson s'appelle Il y a bien trop de choix. Supermarché, que tu viens pour un beau truc à la cool. Tu les laisses devant le monde. C'était pas le but. Consommer les amis, c'est ce qu'il faut, toujours consommer, c'était mon mieux. Bah tiens, je vais essayer une chanson, je sais pas si j'ai bien mémorisé les paroles, on verra. Ça s'appelle Achète des trucs. Elle est très rigolote. Un truc parce que maintenant, ben j'ai un truc de plus. Moi je trouve ça super bien d'acheter des trucs dans la vie comme ça. Si j'ai pas d'amis, ben au moins j'ai des trucs. Allons bosser pour nous acheter des trucs. Le secret du bonheur, c'est d'avoir plus de trucs. Plus t'as
quatre trucs moins t'es triste. C'est de la philosophie, je l'applique à 100% dans toute ma vie. Si ton grand-père vient de mourir, achète des trucs si on te trouve positif au sud. Achète des trucs si on te trouve un cancer. Et avec ton truc, on ira voir un concert. La 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 la. Eh bien, si t'es déprimé, achète des trucs, tu seras toujours déprimé, mais au moins t'auras des trucs. Plus t'as de trucs, mieux c'est. Toi t'as plein de trucs, moi j'ai plein de trucs. Allez viens, on compare, c'est qui a le plus de trucs. Moi je trouve ça simple de se juger sur le nombre de trucs qu'on peut posséder. Plus t'as de trucs, moins t'es triste, c'est comme ça que ça doit marcher. Allez viens, on l'applique tous les deux et on va bien s'amuser. Achète des trucs, et puis achète des trucs pour en plus jusqu'à brûler. Achète des trucs, si t'en achètes, c'est le bonheur assuré. Et puis avec tous tes trucs, c'est sûr, ça va bien se passer. Ouais, mais le problème, c'est que les trucs, eux, ça se remplace. Alors que les humains, eux, quand ils se cassent, ben on peut pas les remplacer. Alors profite de avant qu'ils se soient en allés. Moi, c'est mes proches qui me rendent heureux. Et c'est pas les trucs que j'achète. Et à la fin de ma vie, je pense pas regretter de ne pas avoir possédé plus d'objets. Voilà, donc acheter des trucs pour vivre, hein. Vivez pas pour acheter des trucs. Next. Une bonne chanson de Black Friday. Ouais, grave, une bonne chanson de Black Friday. Tout trouvé, ça. Je suis super pro conso. Ouais, ouais. Bah, attends, on va faire une autre sur les symptômes aussi d'actualité. Sur le fait que c'est bizarre, dans notre société, il y a des problèmes qui ont des causes, et on aime bien traiter les symptômes. C'est pas les causes. Que quoi ?
N'oubliez pas que dans d'autres sociétés, si on veut faire des changements, il ne faut pas s'attaquer aux symptômes. Ça ne changera rien du tout. Voire même, en s'attaquant aux symptômes, en plus, on se les fait encore plus de conneries qui empirent les causes. Donc, on a plein de bonnes idées, nous, les humains. Alors, next. Je vais sortir ma setlist, en fait, parce que c'est des fois, quand on a plein de chansons en tête à la fin, même si c'est les siennes, on ne sait plus lesquelles on connaît. Si, c'est bon, je sais. L'éducateur. La redevance, ok, le câble est branché, programme, c'est ok. Ouais, ok, programme, ok, les pantoufles enfilées, on va pouvoir s'instructionner, on va apprendre, apprendre, alors qu'on est en train de se détendre, apprendre, apprendre, mais là, c'est apprendre, allez-y, mais alléluia, l'éducateur est là, on ne bouge pas, on reste là, on est de quoi, et on avale n'importe quoi, un flot d'infos pêle-mêle, à t'agriller la cervelle, à croire que le monde tourne plus vite que la musique. On ne bouge pas, on reste BA, on est tout court.
sans griller la cervelle, à croire qu'elle bouge souvent plus vite que la musique. Hi-haw. Merci. Combo, comme toujours. Est-ce que vous aimez le train-train quotidien? Est-ce que vous aimez la routine? Ah, j'ai fait un concert, j'arrêtais pas de leur faire des questions où je dis non. Puis quand je l'ai réalisé, juste après, j'aurais dit que j'arrêtais pas de leur faire que les noms et j'aurais dit est-ce que vous aimez les koalas? Et là, ils étaient trop perdus. Vu que j'encourageais tout le monde à dire non, puis je leur posais une question de piège derrière. Je suis trop salaud. Bon, prochaine chanson s'appelle La routine, le train-train. Une merde comme vous voulez. Pourquoi j'ai pris mon ticket et je suis monté dans le train-train quotidien. Jour après jour, j'arpenterai les mêmes chemins, le même bus, les mêmes métros, les mêmes 300 le matin, les mêmes voies, qu'est-ce que 3 ou 4, les mêmes murs, en placo ou en plâtre, le temps sur stop, tout est figé, comme un serpent qui ne voudrait pas changer de peau, pendant des années le temps sur stop, tout est bloqué, comme un décor sur une banderole qui ne cesserait de défiler. L'ennui et le cafard, c'était le train-train quotidien. J'étais sur le réseau boulot dodo, sur la rame de l'intense redondance, c'était le train-train quotidien. Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis? J'attends le clac-clac continu qui rythme ma vie, le tempo est inchangé, le temps n'a pas bougé, le métronome continue lentement de balancer, embarqué dans le TGV de la morosité, 360 km/h pour que tu puisses pas sauter, c'est le train-train quotidien. Plus tu le laisses filer, moins le retour est aisé, après t'as plus qu'à prier pour le voir dérailler, le quoi? Le train-train quotidien, la 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 la. Cette bonne vieille routine. Alors, cette chanson s'appelle L'art c'est de la merde. Parce que j'adore l'art. L'art c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois peintre, artiste ou bien musicien. Ça a clairement pas d'utilité, perdre son temps en futilité. Danser, chanter, ah, me fait pas rigoler. Tout ça, c'est pas les vrais métiers. Là, c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois peintre, auteur ou bien comédien. Vous passez votre temps à rien branler et dire que vous êtes payé, moi je vois très bien. Vous faites des petites journées, wow, travail c'est chiant, on n'est pas censé s'amuser. Là c'est de la merde et puis ça sert à rien. Que tu sois ingé son light ou bien comédien. Tu crois que je vois pas clair dans tout ça, je vois bien que c'est tout dans la fiesta, c'est pas du taf dans ces conditions là. Oh, désolé mais un vrai travail on l'aime pas. Vu que c'est de la merde, ouais, on va s'en délester. Plus de musique à ton mariage, plus de DJ
caché dans aucune salle. Oublie les films au cinéma, le théâtre on reverra pas. Aucune peinture sur ton mur, et ouais y'a plus rien, et juste un mur. Enlève toutes les décos chez toi, abaisser de l'art nous en veut pas. Plus de musique dans ta radio, plus de chanteurs dans le métro. Souvenir au cirque avec papy, bah y'a plus de cirque alors tant pis. Exit, concert et festival, dégage tout ce qui te maintient le moral. T'as pas besoin d'activité, contente-toi juste de bosser. Là c'est la merde, et c'est partiellement vrai. Idée de ce qu'on peut en chier. Ah, c'est un job de passionné. T'as intérêt à t'accrocher. Horaire décalé, tes journées surchargées. Mon état de taf à boucler à côté. C'est clair qu'on est des gros feignants. Je m'en rends tellement plus contraintement. Viens donc tester et tu pourras critiquer. Viens donc tester et tu pourras critiquer. Ah, c'est de la merde enfin, seulement pour certains. Moi je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Là c'est de la merde, enfin seulement pour certains. Moi je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Non je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Merci. C'est bien, y a que ceux en fait qui écoutent jusqu'au bout qui comprennent le vrai message de la chanson. Parce que si on écoute que le début, on en reste sur l'art c'est de la merde. Putain, on va dire, mais il est gonflé de chanter ça lui, non? Ok, next to you. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? I don't know. Ah si, une chanson pleine de sens. Vous allez voir des grands messages et tout. Vous allez en ressortir tout chamboulé. Ça s'appelle le petit ravioli cramoisi. Bon, ben, je suis content que vous avez été plein à passer, nombreux à faire des sourires. À défaut de vous arrêter. Non, je déconne. Vous nous êtes arrêtés, c'est bien. Cette chanson s'appelle Le Petit Ravioli Cramoisi. C'est un ravioli qu'on a oublié dans un placard et qui a pris. Et ça fait un super peur. Je rentrais chez moi pour la pause déjeuner. Le soleil brillait, ouais, les oiseaux gazouillaient. Une boîte de raviolis m'attendait ce midi. J'étais à Monoprix, en agent salivé d'envie. Mais une odeur suspecte attire mon attention. J'enquête dans ma baraque sur la dite infection. Je la trouve dans un placard, la chose des temps oubliée. Il est venu petit et noir, car c'est en vérité le petit ravioli cramoisi. C'est lui qui te fait froid dans le dos pendant la nuit. Le petit ravioli cramoisi. L'ennemi de monsieur propre est versé du goût. Je m'évanouis, puis retrouve mes esprits. Vous voilà l'année avec ce petit ravioli. Il me regarde vivement, attendant le moment de s'élancer sur moi pour tâcher mon beau switch en blanc. Je juste les chaudes sur le côté, parviens à m'en tirer. Mais cet enfoiré, au bout du compte, finit par me coincer. Je suis derrière, il est devant. Je suis à la merci maintenant du petit ravioli cramoisi. C'est lui qui te fait froid dans le temps, dans la nuit. Le petit ravioli cramoisi. L'ennemi de monsieur prend très bien, c'est lui. Le petit ravioli cramoisi. On voulait censurer cette ère, mes amis. Je ne leur ai aussi joué. Et croyez-moi bien maintenant, eh bien ils sont en train de flipper. Du petit ravioli cramoisi. Celui qui te fait froid dans le dos pendant la nuit. Tiens, petit ravioli cramoisi. L'ennemi de monsieur prend très bien, c'est lui. Le petit ravioli cramoisi. Le petit ravioli cramoisi. Petit ravioli, celui qui t'a fait froid dans le dos pendant la nuit. Merci. Merci. Atriphasé, moi je veux bien.
Donc cette chanson est une country complètement timbrée, déjantée, composée pour une collègue qui était très surexcitée dans sa tête. Alors c'est pas parce que c'était une fille, hein, c'est juste parce que c'était sa personnalité. Donc fille ou pas fille, voilà, ça aurait pu être un mec, ça aurait pu être un con, il aurait eu la même chanson et ça aurait été triphasé sans E. Ça n'a rien dit, on s'en fout. Triphasé. Tu triphasais, courant la tombe sonnait. Tu triphasais, on triphasait, et je crois bien que l'un poulet l'a gris. Moi j'ai rencontré une fille, elle était branchée sur triphasais. Elle avait juste un tas de poudre quand elle était bébé. Ça lui a laissé en vélo, elle m'a dit qu'il vole dans le sang. Et maintenant, oh, elle est énervée, à longueur de journée, il n'y a pas vraiment grand chose pour la contrarier. Elle est énervée, à longueur de journée, et on ne sait pas trop comment, non, comment la calmer. Essayez, elle est un transfo, un peu pour calmer le débit, mais il y avait bien trop de flot, et ça n'a pas suffi. J'ai pas eu une non si froid que ça. Mais avec l'effet placebo de son passé des choses. T'as déjà entendu parler de ce gars qui meurt dans un frigo conteneur alors qu'en fait le frigo n'était pas branché. Alors c'est peut-être une légende urbaine, c'est peut-être la vérité. Est-ce que si j'y crois assez fort, j'aurai suffisamment froid aux doigts pour qu'il gèle instantanément? Parce que je suis nul en auto-persuasion. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer, j'y suis pas arrivé, alors d'essayer avec mes propres pensées de me faire geler, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, j'ai survécu à ma matinée. Oh non 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 non. Trompette là sous la main, non? Thank you.
Le concert touche à sa fin, il va falloir s'arrêter. Car les musiciens ne sont pas des machines et ont aussi besoin de manger. Comme toi, public, je ne suis qu'une petite chose faible et vulnérable. Sauf si j'étais dans un tank. Merci les hétéros de Reims, je t'aime. Festisol, je t'aime. Public, je t'aime. Pavé, je t'aime. Micro, je t'aime. J'aime tout le monde. Merci beaucoup.